C'est l'heure de la vidéo sur l'examen d'un autre monde ou d'un autre Luc Allard plus jeune qui avait composé cet examen-là. Ça fait quand même quelques années. Alors, allons-y rapidement pour la question 1, calcule la moyenne, la médiane et le mode. Et ce qu'on réalise, c'est qu'à chaque fois, les données ne sont pas présentées de la même façon. À la lettre A, tout ce que j'ai, c'est des nombres à la queue-leu-leu. Les uns à la suite des autres. À la lettre B, ce qu'on a, c'est un tableau avec des classes, donc avec des classes qui représentent donc différentes longueurs et l'effectif, combien de fois que ça arrive. Et ici aussi, on a un tableau condensé à la lettre C, donc il n'y a pas de classe, mais quand même, on voit que la longueur de 15 cm, par exemple, elle est là 4 fois. Donc, à chaque fois, les résultats sont présentés de façon différente. Et vous devez être souple pour pouvoir trouver les réponses. Donc, rapidement ici, faites attention pour la médiane. Donc, il y a un petit piège. Il faut placer les données en ordre. 23, 25, 25, 26, 27 et 32. Alors, quand on prend les deux données qui sont au centre, entre 25 et 26, il y a bel et bien 25,5 cm. Le mode, c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est 25 cm. Et pour la moyenne, ben, on les additionne et on divise par 6. Pour l'autre tableau ici, ben, je vous rappelle qu'il faut prendre le milieu de la classe. Donc, entre 5 et 10, le milieu il est à 7,5. Ici, il est à 12,5, 17,5, 22,5 et finalement 27,5. Donc, soyez pas surpris si le calcul de la moyenne va être de 7,5 fois 12. Comme ceci, plus 12,5 fois 24, plus 17,5 ici fois 30, plus 22,5 fois 13, et finalement plus 27,5 fois 11, le tout là, divisé par 90. Bien sûr, il y a 90 bergers allemands dans ma rue. Alors, ça donne la moyenne qui est ici. La classe médiane, ben, lorsqu'on a 90 chiens, celui qui est au milieu, c'est entre le 45e et le 46e chien. Alors, on va compter ensemble, si vous voulez bien, jusqu'à 45, 46. 12 plus 24, on est rendu à 36. On n'est pas encore rendu à 45, 46, mais si on additionne 30 autres chiens, donc vraiment, elle est ici la classe médiane, la classe dans laquelle le 45e et le 46e chien sont. Et la classe modale, ce qui arrive le plus souvent, donc avec un effectif de 30, c'est la même classe, de 15 cm à 20 cm, pas inclus le 20 cm, bien sûr. Le même principe ici, pour calculer la moyenne, on va faire tout simplement 15 fois 4 plus 20 fois 7. Évidemment, idéalement, on l'écrit sur une seule ligne. Là, je fais ça un peu rapidement, surtout qu'il manque de la place. Plus 25 fois 2 et plus 30 fois 1. Là, tout divisé par 14, tout simplement. Et on réalise que c'est 20 partout, la réponse. Le 20 cm, la moyenne, la médiane et le mode. Alors, je vous laisse regarder. C'est la fin de mes conseils pour la question 1. Ici, il y a beaucoup d'erreurs dans le tableau. Oh là 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 là, il n'y a pas de titre. Ça commence pas bien. La ligne totale, quand on additionne 0 plus 0 plus 23 plus 24, plus 4, pardon, plus 2, ça fait un total de 29, mais pourtant, ça dit qu'il est supposé être 30. Ensuite, c'est pas sommeil, hein, c'est le nombre d'heures de sommeil. Donc, en heures, ça serait déjà un petit peu plus clair. Mais il y a des erreurs aussi plus dramatiques que ça encore. Alors, si vous regardez correctement les classes, ici, on a une amplitude ou une étendue de 2, de 2, de 2, de 2, et ici, whoop, de 3 pour la dernière classe. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut que les classes soient de même amplitude ou de même étendue. Et ensuite, on saute, hein. Vous voyez ici, ça termine à 6 et ça recommence à 7. En fait, ça termine juste avant 6. Et donc, ça marche pas. Il y a comme un trou, donc c'est pas très bon. On a aussi des classes inutiles avec un effectif de 0. Donc, finalement, on se ramasse avec uniquement 3 classes, ce qui est pas beaucoup. 3 classes pour 29 ou 30
personnes. Finalement, c'est comme si on les mettait presque tous dans le même panier. Donc, c'est beaucoup d'erreurs pour cette question-là. Donc, encore une fois, il n'y a pas de titre, il y a des classes inutiles, il n'y a pas assez de classes, on n'a pas toutes la même amplitude, il y a un trou, il n'y a pas de ligne totale. Donc, c'est un petit peu le survol de ce que j'ai dit. À la question 3, on réalise que j'ai déjà placé mes données en ordre. Parce que lorsqu'on va faire le diagramme de quartile à la lettre C, effectivement, il faut trouver Q1, Q2 et Q3. Et on ne s'en sort pas si on ne les place pas en ordre. Dans un examen aujourd'hui, j'aurais tendance à ne pas donner cette question-là parce qu'elle est beaucoup trop longue. Et sincèrement, je vous demande de trouver la moyenne. Alors, vous pouvez trouver la moyenne en étant très patient. Genre 24 plus 24 plus. On arrête d'écrire ça et on termine avec 56 ici, divisé par 42 enseignants. Donc, ça serait un calcul très noble ici. Okay? Donc, tu es en train de dire, c'est pas vrai, je ne vais pas tous les écrire là comme un robot. Donc, c'est correct d'écrire ça comme ça. Mais je trouve que c'est pas correct de demander à des élèves de faire une moyenne avec 42 enseignants. C'est quand même beaucoup. Donc, la moyenne est de 39. C'est l'âge des enseignants. Ça, c'est bien, parfait. Ensuite, le mode est de 49. Oui, il est là souvent. Il est là 5 fois. Le diagramme de quartile, ben là, en passant, j'ai vraiment séparé. Il y a 21 profs ici, puis 21 profs ici, ça fait 42. Et qu'est-ce qui est au milieu de 42? Ben, c'est entre le 21e et le 22e prof. Donc, c'est la médiane. Ben, entre 38 et 38, c'est 38. Alors, c'est pour ça qu'on a ici un joli 38, puis deux vaut 38. Et là, si vous regardez les données qui sont en mauve, qu'est-ce qui est au milieu des données qui sont en mauve? Donc, ben, de toutes ces données-là ici, hop, ben, celui qui est au milieu, c'est le 11e, parce que j'en ai 21 données en mauve, ou en rose maintenant. Donc, le 11e, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est lui ici, hop. Donc, Q1, c'est 30. Même principe ici, Q3, ça va être 49. Donc, avec ces nombres-là, on peut faire un joli diagramme de quartile. Voilà. On poursuit. Ajouter une donnée pour que la médiane ne change pas. Ben, moi, je propose d'ajouter 38. Alors, si je rajoute 38, ben, la médiane, elle va rester 38. C'est comme si je rajoutais un nombre, là. Je vais rajouter 38. Et ça va être la donnée du milieu, parce que si j'ai 43 données, parce que j'en avais 42 avant, j'en rajoute une, ça fait 43. Et lorsque j'ai 43 données, ben c'est la 22e donnée qui va correspondre à la médiane. Je vous rappelle qu'il suffit de faire 43 plus 1, le tout divisé par 2, ce qui fait bel et bien le 22e rang. Alors, si je rajoute au 22e rang un joli 38, ben voilà, la médiane ne va pas changer. Mais est-ce que c'est la seule bonne réponse? Sincèrement. Imaginez qu'il y a un jeune prof qui arrive ici, là, puis il a 5 ans. Il est très doué. Elle va être où la 22e donnée? Ben, savez-vous quoi? Elle va être ici, ça va être ce 38 qui est là. Donc, j'ai ajouté le nombre 5 et la 22e donnée, 38, n'a pas changé. Et savez-vous quoi? Je peux même rajouter un prof qui a 1000 ans. Alors, on enlève lui ici, on enlève lui ici. Et elle est où la 22e donnée? Ben, ça va être ce 38-là qui est ici. Donc, peu importe le nombre que je rajoute, ça ne change absolument rien. C'est pour ça que j'écris tous les nombres fonctionnels. C'est quand même amusant, avouez, c'est charmant comme tout. OK, on va ajouter un 43e professeur qui va faire monter de 2 années la moyenne d'âge. Elle va passer de 39 à 41. Alors, je mets ici un petit X. Ça, c'est l'âge du nouveau prof. Et j'additionne tous les âges, plus le nouveau, mais je divise par 43 maintenant. J'ai 43 enseignants. Et moi, je veux que ça donne 41. Mais en passant, quand on additionne tout ce qu'on a, ça fait 1638. Donc, tout ce qu'on a, à part le nouveau prof, là. Donc, tout ce qui est là, ça fait 1638. OK, parfait. Plus mon nouveau prof, divisé par 43. Je veux que ça donne une moyenne de 41. Alors, je vous rappelle qu'il suffit de faire fois 43 pour annuler ici et fois 43. Et on va vraiment avoir, avec un calcul de secondaire 2, donc, un prof qui a 125 ans. Donc, il est légendaire. C'est vraiment un très vieil enseignant.
La population ici, c'est l'ensemble du corps professoral. Donc, est-ce qu'on a demandé à tous les enseignants ou simplement quelques enseignants? Allons voir la question. Veulent connaître l'âge des 42 enseignants. Donc, il y a 42 enseignants. On a demandé à tous les enseignants. Donc, c'est un recensement, dans le fond. Et on parle ici d'un recensement qui a rapport avec les enseignants au complet. Donc, la population, c'est l'ensemble des enseignants. Le caractère étudié, c'est l'âge des enseignants. Et c'est un recensement, comme le monsieur à l'écran vient de le dire, ça c'est moi, ça. Question 4, un tableau de distribution, ben, il fallait rajouter des pourcentages. Donc, sincèrement, je ne sais pas, mais tout ce que vous avez à faire, c'est 250 sur 2200, comme ceci. Ben, ça fait combien? Vous pouvez mettre un X sur 100. Donc, avec des produits croisés et tout ça, vous pouvez trouver facilement les pourcentages. Ah, quelle est la moyenne? Bon, ben, quelle est la moyenne? Ben, encore une fois, il faut prendre le milieu de la classe, donc faire 5 fois 0, ce qui n'est pas vraiment utile, plus 15 fois 250, plus 25 fois 300. Donc, on fait ça, on répète et on divise, bien sûr, par l'effectif total de 2200. Et la classe modèle, qui arrive le plus souvent? Ici, de 40 à 50, pas inclus. L'étendue est discutable. Oui, parce que l'étendue, c'est le plus grand moins le plus petit. Le plus vieux, donc, moins le plus jeune. Le plus vieux, il y a peut-être 79 ans et 11 mois. On ne sait pas trop. Puis le plus jeune, ben, il n'est pas ici parce qu'il y a zéro. Donc le plus jeune, il y a peut-être 10 ans. Ou 19 ans, ben, je ne sais pas, ils sont peut-être tous à 19 ans dans cette classe-là. Donc, c'est vraiment difficile ici de calculer l'étendue. Donc, c'est une question un peu weird, un peu étrange. On a complété le tableau et il paraît qu'il fallait faire un histogramme. Ne pas oublier le titre. Regardez comment c'est joli. Et on poursuit l'aventure. Je sers à regrouper, c'est des classes. Oui, avec des classes, on regroupe des nombres, des données. Les données qui ne sont pas des nombres, ce sont des données qualitatives. À gauche comme à droite, je suis aussi peuplé, autant peuplé. Donc, c'est la médiane. C'est celle-là qui fait qu'il y a autant de monde à gauche qu'à droite. Donc, ici, je ne sais pas moi, mettons que c'est la grandeur de mes amis. Celle-là qui est en plein milieu, bien, sa grandeur, c'est la médiane. Il y a autant d'amis plus petits que plus grands. Alors, voilà. Et effectif représente une quantité de gens. On poursuit, je dois avoir deux autres examens. Donc, c'est le même principe que tantôt. J'additionne les premiers examens, 1, 2, 3, 4. J'additionne X et X, la note pour les deux prochains examens, mais je divise par 6. Je veux que ça fasse une moyenne de 60. Alors, oui, lorsque j'additionne 76 plus 45 plus 81 plus 30, bien, ça donne 232 plus 2X. On suppose que c'est la même note pour les deux autres examens, ce qui n'est pas nécessairement obligatoire dans la question, mais j'ai mis X pour chacun des deux autres examens. On fait fois 6 pour se débarrasser de la division par 6 et on arrive à 232 plus 2X égale 360. Donc, je dois avoir 64% dans chacun de mes deux autres examens pour avoir 60 à la moyenne. Pour avoir la note maximale, ben, il suffit d'additionner 100 à chaque fois puis de réaliser que tu es condamné à avoir au maximum 72% de moyenne. Et finalement, ben, pour les nains anorexiques, on veut un tableau de distribution, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes classes que moi. Hein, c'est discutable. Moi, j'ai fait des classes avec une étendue ou une amplitude de 10 de quotient intellectuel et ça me donne vraiment ce joli tableau. Est-ce que c'est la fin? Oui, c'est déjà la fin. Donc, c'est amusant comme tout, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas la ligne totale et vos classes ne doivent pas être vides. Hein? Donc ici, il y a 3, 7, 4. Il y a du monde à chaque fois. C'est vraiment, vraiment le fun. Évidemment, je dis que vos classes ne doivent pas être vides, mais si jamais c'est au milieu, puis qu'il y a zéro extraterrestre, es-tu des extraterrestres? Non, c'est des nains. OK, si c'est au milieu, puis qu'il y a zéro, on comprend. Mais si c'est au début ou à la fin, qu'il y a des zéros, ben là, il y a peut-être lieu de réfléchir. Réfléchir! C'est le privilège de la race humaine. Bye tout le monde.